Bonjour, c'est Brian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alien Isolation pour l'épisode 3 de notre Let's Play. Alors, on va continuer. Bon, là je la tourne à la suite, hein, la vidéo. Alors je pense que s'il y a eu un problème d'éclairage ou un truc comme ça, bah il y aura aussi sur celle-là. Donc, soit on continue ou soit on revient où on était. Bon, on va continuer. Hein. Geste. Ok. Maintenant, tourne-toi. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal, ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communication se trouve dans la tour Systec. Rendez-vous à la garde de côté. Mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. J'ai fait gaffe. On tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Ok, ok. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Mais en plus, c'est moi qui passe en premier. Je sais pas où que c'est, mais il faut que je passe en premier. C'était toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Mais le... Ah, bah, il est pas ça. Et bah, voilà. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Hey, pas un geste! Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Ils sont tous en galère, mais personne... ça non. J'adore. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. On va sauvegarder, hein, parce que dès qu'il y en a une, ça veut dire que après c'est mauvais signe. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça? Appuie sur le bouton. Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il devrait y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, on retourne
son vaisseau, on va se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et la monter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr, il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. On verra bien, hein, je dirais. Changer d'étage. Ça c'est les étages, donc on est là. Okay. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Il y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. La station ressemble à un cimetière, hein. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Ça fait méga bruit, mais personne ne les entend. Ça, j'adore. Des amis à toi? Je suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers. Même les gentlemen. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petit. Si tu veux y aller leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sales. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire. Y a pas grand-chose, hein. Ça va faire une semaine que je me tairai ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. On va sauvegarder. On peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette... Ah, cette lampe torche. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Et ben voilà, ça c'est bien. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Maintenez Y pour... Ah, ok. Donc... Et maintenant? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. C'était la lampe torche. Non. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Super. Axel, c'est ça? Attends-moi, j'arrive. Je savais bien qu'il était par ici. Tu vois, je gère, Fougère. Aïe, aïe, aïe. Tu gères pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Viens. Prudent de s'attarder ici.
C'est comme ça qu'on se déplace ceux qui veulent rester en vie. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça? Chut! J'ai entendu un truc. Ouais, je comprends. Parfait. Faut qu'on rejoigne les autres. Il y a un truc qui merde. Il y a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de mettre en pétard. Allez, quelqu'un va envoyer de l'aide ici. Suis-moi. Ah, bon là, il y a un petit bug. Hein. Hop, on sauvegarde. Hop, voilà. Ok, faut qu'on la mette en sortie ici. Et une allume, pas cette torche. Ah, ça me souvient d'un truc, comme j'ai regardé un peu de vidéo. Je me souviens un peu, là. Attends. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Ils sont armés. Ils sont beaucoup trop nombreux pour les attaques. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là. On reprendra les portes. Comment? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Tu ne serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire. Tu voudrais prendre plutôt la clé et m'aider à vérifier le reste des stocks? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes. Et je sais pas si t'en es capable. Tout le monde avec moi. Bien joué, Ripley. Arla, suis-moi. Fais pas de bruit, ils sont encore dans le coin. Fuir avec Axel, ça c'est bon. On sauvegarde. Je regarde combien. Ok. C'est encore loin. On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein? Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Ouais. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Donc...
Donc, elle est là, voilà. Prête. À 3. 1, 2, 3. Axel, derrière toi. Quoi? Enculé! Ramenez-vous! J'ai chopé cet enfoiré de voleur! T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Lâche-moi, enfoiré! Dégage! Ces potes seront là d'une minute à l'autre. Faut qu'on se casse! Maintenant! Hé, hey, bande de bâtards! Bouge! Cool. Tuez-les! Quoi? Ils l'ont buté. Allez, cours! Allez! T'as buté ce type? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. C'est la première fois qu'on a vu l'alien. Bah, on a vu. Que je m'arrête. Qu'on a entendu, plutôt. Voilà, il a agi. Donc, c'est là. Non, mais ça fait trop peur, ça. Ça stresse un truc de fou. Mais là, ça dit, ça me convient, là. Ah oui, on va pas retourner. Gare de transition. Enfin, la gare de transition. La gare de transition est là-bas. Donc, hop, c'est là, bien. C'est bien là. Voilà. Donc, c'est là. Et après, faut trouver.
Bienvenue à Sébastopol. Terminé, bienvenue à Sébastopol. Ok, là on a terminé la séquence 2 du coup. Chapitre 2 plutôt. Et on vient de commencer et j'ai déjà flippé au moins 2-3 fois. Ça fait quand même beaucoup. Donc à mon avis, je vais beaucoup souffrir. Allez, charge. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Et puis voilà. Cette station dessert Sixon Communication Technologies, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanète Solution. Non, non, non. Ok, c'est pour se cacher, ouais. Ok. Donc, nous allons avancer. Hein. C'est bon. Ah, là, il y a une borne. On va sauvegarder. On sauvegarde beaucoup, mais bon, j'ai pas envie de tout refaire. Hein. Veuillez ne pas laisser vos bagages ou votre équipement sans surveillance. Il y a cette porte là. Là c'est où qu'on arrive. Non, ici. Oh mais elle me touche la salope. Rentre. Oh là 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 là. Ah mais ils sont fous là-dedans. Je te jure, je vais la tuer cette fille. Il n'y a rien ici là. Ok, on revient là en fait. J'ai pas compris où je... Non, en fait là je suis revenu. Ok, je suis revenu sans mes pas. Putain, fait chier, on peut pas là. Non, en fait, ça sert à rien, ce tuyau, là. Alors, en fait, ouais. Elle est partie où elle? Ok, elle est séparée.
se déplace doucement quand même parce que. Écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Va chercher Claire, prends le chat et rentre à la maison. Il faut qu'on trouve un endroit sûr jusqu'à ce que Sixon envoie un vaisseau. J'ai aperçu le type du hall, je me souviens plus de son nom, celui qui a une casquette de baseball sale et une odeur bizarre. Il avait quelque chose dans son manteau, je crois que c'était un flingue. Il m'a complètement ignoré. Ne parle à personne, ne dis pas où tu vas. Je te rejoindrai dès que possible. Un synthoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Ok, ils sont juste en bas. Attendez, je crois que j'ai entendu quelque chose. On a un. Ah, putain de merde! Ah, putain, c'est quoi ce bordel? Les diversions peuvent parfois attirer une menace encore plus dangereuse. Faites un usage avec prudence. Oh, oh la vache, putain. On est là. Ok. Ouais, ok, on est là, c'est bon. Je sais que c'est bon. Faut aller là, ouais. Ah bah en fait c'était le même endroit. C'est pas grave. Ok. Et là. Là voilà. On va se recacher là-dedans. Donc maintenant là, il est plus là. Et après, je comprends pas. Je vais prendre après leur truc. Ouais, tu vas en haut. T'es bien le courant. Ok. Je
regarde à peu près toutes les tout ce qu'on peut louper des fois. Enfin. Système. Donc, ok. Parce que là, ouais, je viens de là, donc ça c'est bon. Non, déjà? Ah ouais, ok, bon. On va regarder un peu tout ce qu'on a, et puis après, on arrêtera là. Bon, je sais pas quoi trop ça sert, mais c'est pas grave. On regarde à peu près tout ce qu'on a, et puis après... Alors... Là, il y a un truc. Ok. Donc, dès qu'on le prend, on va là. Un synthoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Encore bien bas, je pense. Pas compris. Y a un bug. Pas mal. Ah. J'ai pas compris pourquoi, mais. Donc voilà, il y a un trou. Sauf que eux, ils veulent pas que je tombe dedans. Et du coup, ça m'a fait bugger. Ouais, ça m'a fait bugger. Ah, c'est bon. Ah bah voilà. On est allé dans une autre salle. Ok, c'est un peu de machette. Donc ça. Fumigène. Pour en fabriquer. Enfin, encore fabriquer un, je pense. Fabriquer. On en a deux, on va utiliser un, je pense, bientôt. Parce que là, on est bloqué. Bon, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'après, on va s'arrêter là, je pense. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Bah, j'ai déjà dit en fait. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et tout, si ça vous plaît et tout. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Alors, en fait, j'allais être parti à m'amener, mais alors, du coup, en fait, je suis plus en cam. Bon, désolé. Ah, mais ils sont là! Mais c'est pas... Oh. Ok, on va vers l'autre. Allez, ils arrivent. What? Putain, ils sont morts.
Allez. Oh non. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Allez. Parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai pas sauvegardé. Et si je sauvegarde pas, et ben voilà. En plus, après, j'étais mort. Donc, en fait, je suis obligé de sauvegarder. En fait, je voulais aller plus vite, mais bon, c'est pas grave. On va refaire, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pourquoi ils viennent là, en fait? Ils venaient pas de là avant. Pour ça, ça m'a fait bizarre, là, d'un coup. Donc, voilà. Non, pas encore. Voilà. Allez. Hop. Voilà, ça, c'est bon. Donc, voilà. Donc. Comment je fasse ça? Ok. Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Ah ouais, ils viennent de là. Putain de merde. Putain, mais c'est la merde. Putain, dommage qu'on voit pas où ils sont. On a plus le temps. Allez, cours! Vite, sur la base. Wouhou! Allez, vite, casse-toi. Oh, mais c'est n'importe quoi. Wow. Allez, vite. Merde, je suis tout en bas. Bon, c'est bon, bon, on va enfin pouvoir sauvegarder. Allez. Voilà. Et bah voilà, donc bah je vous dis pour une prochaine vidéo, salut !